Chers membres du jury, Auguste Assemblée, bonjour. Avec la dégradation de la santé et les problèmes comme l'obésité, le cancer, le diabète et les risques d'AVC, le désir de consommer mieux est sorti. Une solution à ce désir est sortie de la consommation naturelle, voire bio. C'est dans cette perspective que notre entreprise a eu l'idée de faire la promotion du raisin local, notre leitmotiv. Notre entreprise s'est lancée dans la conservation, la transformation et la commercialisation du raisin local et ses produits dérivés. Riche en protides, en antioxydants, en fibres, en vitamines, en protides, autant d'éléments nécessaires pour notre organisme. Le raisin est de l'or brut dans nos mains que nous pouvons transformer en un panoplie de dérivés. Du jus, du confiture, du cosmétique sont tirés des produits distribués par Cividor d'Africa. Du jus, du confiture sont 100% naturels, sans conservateurs, ni colorants, ni sucre ajouté, avec des emballages moins impactants pour la planète. Du cosmétique, à base de pépins de raisin, nous avons du savon, du gommage, de l'huile, du beurre, pour les soins de visage et corps, ainsi pour les soins capillaires. Vous pouvez nous rejoindre sur Google Maps, ou vous écrivez tout simplement Cividor d'Africa. Vous avez des informations sur TikTok, WhatsApp et Facebook. Nous ciblons les familles, les jeunes travailleurs ainsi que les enfants. Nous sommes composés de 10 personnes, dont 9 femmes et 1 homme. Je suis Kaboré Genebou, porteuse du projet Cividor d'Africa. Au-delà des dérivés dont nous faisons la promotion, vous n'avez pas l'idée de ce qui pouvait sortir du résinier. Notre pays est très riche. Profitons de cette richesse et encourageons nos champions locaux. Laissez-vous tenter par l'aventure du raisin. Consommons local. Je vous remercie.